Le petit cheval bossu de Pierre Herschoff. Yvan, le petit cheval bossu, les deux frères, les deux courtiers. Le roi, la plume, le palefrenier, l'oiseau de feu, la princesse. Par-delà les forêts, les monts et par-delà les mers sans fond, sur terre et non dans les nuages, vivait un vieux en un village. Le brave homme avait trois garçons. Le premier, leste de façon, le second, un esprit honnête. Quant au dernier, il était bête. Il se nommait Yvan. Yvan le bon à rien. Une nuit, Yvan surprit une jument piétinant leur champ de blé. Alors il s'approcha d'elle et, choisissant le bon moment, saisit la queue de la jument, se trouva à califourchon, devant derrière en un seul bond. La jument, comme un serpent, s'élança alors comme une flèche. Dans les champs, elle tourna en rond, franchit les ravins d'un seul bond, dévala au galop les collines, fila dans les forêts voisines pour se débarrasser d'Yvan. Mais elle ne put le tromper. Il continua de s'agripper. Fatiguée d'avoir tant bondi, elle s'arrêta et lui dit: Yvan, tu es plus fort que moi, je me soumettrai donc à toi. Au déclin du troisième jour, la jument annonça à Yvan la naissance de trois petits poulains. Deux coursiers merveilleux et forts, tels qu'on n'en vit jamais encore. Et un autre petit cheval, un bien étrange animal. Deux bosses. De longues oreilles, tu n'en connais pas de pareil. Des premiers, fais ce qu'il te plaît, mais garde pour toi le plus laid. Il ne faut pas que tu le troques contre un ceinturon, une toque. Car toujours il t'obéira, partout avec toi il ira. Les frères d'Yvan découvrirent les deux coursiers. Ils décidèrent de s'en emparer pour les vendre au grand marché de la capitale. Voyant que les chevaux avaient disparu, Yvan demanda au petit cheval bossu de l'aider à retrouver son voleur. Le petit cheval savait où les trouver. Ils partirent ensemble. Une nuit, en cours de route, Yvan fut attiré par une lueur qui brillait à une centaine de pas de lui. Avec son petit cheval bossu, il décida d'aller voir. Le feu éclairait tout un pré. Quelle magnifique lueur! Mais sans fumée et sans chaleur. Notre Yvan s'émerveilla. Quelle flamme sans pareille! Il fait aussi clair qu'en plein jour et pas de fumée alentour. Non, ce feu n'a rien de normal. Pourquoi lui répond son cheval? Vas-tu t'étonner de si peu? C'est une plume de l'oiseau de feu. Si tu veux être heureux, crois-moi, ne l'emporte pas avec toi.
car tu n'aurais à l'avenir que soucis à n'en plus finir. » Yvan alors de murmurer, « Tu sais, tu peux toujours parler. » Il enveloppa de son mieux la plume de l'oiseau de feu, puis sous son bonnet la cacha. Enfin, Yvan et son cheval arrivèrent à la capitale. C'était jour de fête, il y avait foule. Les deux coursiers, accompagnés des deux frères, étaient là. Les deux chevaux firent l'admiration de tous. Et le roi, averti par un valet, s'empressa de venir les acheter pour 10 sacs d'argent. Les deux beaux chevaux furent conduits à l'écurie par 10 valets aux cheveux gris. Mais comme par un fait exprès, les chevaux rompirent leurs traits. Et rapide comme le vent, ils en revinrent vers Yvan. Le roi retourna en arrière et lui dit « Eh bien, mon frère, que tes chevaux sont entêtés. Vois, ils ne veulent pas rester. Au palais, il te faut venir pour les garder et me servir. » Notre Yvan, le bon à rien, alla dans le palais du roi pour le servir, cette fois, de jeunes palefreniers. De fort beaux habits il portait. Des bottes, il en avait des dizaines. Des toques, il en avait des vingtaines. Il mangeait et dormait autant qu'il pouvait. Enfin, il faisait tout ce qu'il voulait. 5 semaines s'écoulèrent encore. Un serviteur du roi alors commença à surveiller Yvan. Car c'était lui auparavant qui commandait les écuries. Le palefrenier jaloux espionna Yvan. Une nuit, il vit l'écurie illuminée. Il s'approcha et découvrit alors qu'Yvan possédait une plume de l'oiseau de feu. Il déroba cette merveilleuse plume et la porta au roi. Le roi regarda, admira la plume, lissa sa barbe, se mit à rire. Puis, pour souligner sa colère, tapant du poing la voix amère, il cria « Qu'on trouve ce vaurien, qu'on m'amène ce bon à rien !» Yvan alla donc chez le roi, devant lui s'inclina une fois, éclaircit la voix et parla. Tu m'as fait demander, me voilà. Le roi tout d'abord, silencieux, se redressa, soudain furieux, et s'écria dans sa colère. Dis donc, vas-tu enfin te taire, ou bien réponds-moi, de quel droit oses-tu cacher à ton roi la plume de l'oiseau de feu ? Là, Yvan, frappé de stupeur, commença à trembler de peur. Le roi le regarda et dit « Alors, tu te sens mal, bandit ?»« Oh, mon roi, prends-moi en pitié, sois généreux comme il te sied, pardonne-moi !» Puis il s'inclina jusqu'au sol. « Bon, tu t'es conduit comme un fol, laissons cela. Pour cette fois, tu es pardonné par ton roi. » Mais surtout, n'oublie pas, Yvan, que je sais être fort méchant. Je peux, car rien ne m'arrête, te faire couper la tête. Si tel est mon très bon plaisir. Maintenant, Yvan, prends garde. En 3 semaines, il faut que j'aie l'oiseau de feu en mon palais. Sans cela, je te le jure, je te ferai la vie dure. Et en présence de ma cour, tu seras pendu haut et court. Allons hors d'ici, ville manant. Bien triste, notre pauvre Yvan, voyant que tout allait si mal, partit retrouver son cheval. Le cheval, en le voyant, se mit à danser gaiement, mais il remarqua ses larmes et dit alors plein d'alarme. Tu n'as pas l'air joyeux ? Qu'est-ce qui te rend si malheureux ? Attristé, plein d'ennui, il tournait autour de lui. Dis que cache-t-on ton cœur
Et quelle est cette douleur? Es-tu malade? Es-tu fiévreux? Je peux t'aider si tu le veux. Près de lui, Yvon se baissa. Il l'embrassa et le caressa. Mon malheur est sans limite, car le roi veut au plus vite posséder l'oiseau de feu. Crois-tu que cela est peu? Le petit cheval bossu conseilla à Yvon de se faire donner du grain et du vin afin d'attirer l'oiseau de feu. Le lendemain, Yvon et le petit cheval bossu partirent pour l'Orient. Au huitième jour, ils s'arrêtèrent dans une clairière d'or au milieu d'une forêt profonde. Yvon jeta son grain mélangé au vin et se cacha. Quand enfin arriva minuit, la clairière soudain lui. Tout était si clair alentour qu'on se serait cru en plein jour. C'étaient des oiseaux de feu qui se livraient à leur jeu. Et leurs troupes assemblées criaient et picoraient le blé. Ils étaient à ce point merveilleux qu'Yvon n'en croyait pas ses yeux. Il sortit de sa cachette, attendit un peu et se jeta sur un bel oiseau de feu qu'il attrapa par la queue. Je tiens un oiseau de feu ! Cria Yvon si fort qu'il put. Le cheval arriva aussitôt. C'est parfait, Yvon, bravo ! Dans un sac, il faut le mettre et le ficeler, mon maître. Au cou, accroche le toit et revenons chez le roi.